Il serait bientôt 22 heures. Les portes automatiques avaient expulsé les derniers clients. Bruit des chariots qui s'encastrent, claquement des coffres. Le parking s'est vidé alors que les phares éclairaient la neige sur la nationale. Je ne voyais plus que mon reflet sur les baies vitrées, tassé par le silence. Ma silhouette derrière ma caisse, engoncée dans la veste polaire jaune vif du supermarché, la tête de poussin brodée sur le cœur. Mes collègues m'avaient laissé. C'était mon tour de baisser le rideau de fer, d'éteindre les lumières avant de sortir par l'entrepôt. J'avais passé les 10 dernières heures à scanner galettes à la frangipane, brioche des rois, chocolat de Noël et cotillon au rabais. Désœuvrée, je me suis aperçue que j'étais gelée. Non seulement mes doigts qui dépassaient des manches, mais tout mon corps, de l'intérieur. Comme si les flaques formées au cours de la journée par les milliers de pas sur le carrelage s'étaient cristallisées à mes pieds pour figer mes jambes, contracter mon ventre, étouffer ma poitrine. Le métal sous mes fesses, le bourdonnement des congélateurs, le rétroéclairage des réfrigérateurs, l'odeur âcre de la poissonnerie, l'idée même de la blancheur des œufs dans mon dos, tout me donnait froid. J'ai nettoyé le tapis roulant. Les viennoiseries en libre service laissent des miettes et des traces de graisse. Les kakis s'écrasent, la viande coule. Il faut gratter, désincruster. Souvent, je le fais avec les ongles. J'ai rangé les couronnes en carton qu'on a la consigne de rationner depuis que des clients en ont pris plusieurs pour un gâteau. Nos supérieurs l'ont remarqué grâce aux caméras. J'ai grignoté un chocolat en réfléchissant à mon repas. Je n'avais plus l'énergie de cuisiner. Généralement, je choisis parmi les plats tout prêts qu'on va jeter. La frangipane m'avait fait envie. 21h55. Peu de chance que quelqu'un débarque encore. Je me suis mise à vider la caisse quand les portes se sont ouvertes sur une femme couverte de neige. Elle s'est ébrouée dans le tourniquet. De la peau de mouton synthétique dépassait de ses bottes, ça raccourcissait ses jambes. Elle portait des collants violets, un sac sur le dos. Juste avant la fermeture, la plupart des clients se ruent sur le vin, les chips, les préservatifs ou les gâteaux. Elle a pris un panier, fait quelques pas dans l'allée, hésitante, jusqu'au bac à déodorant et pâté sous vide en action. J'ai fait plus de bruit que nécessaire en refermant ma caisse. Elle ne réagissait pas. J'ai hésité à passer une annonce au micro, mais c'était ridicule, nous n'étions qu'à quelques mètres. Je l'ai hélée. « Pardon, madame, on ferme. » Elle a eu un sursaut. Et regardait autour d'elle, avant de me fixer. Elle avait les joues gonflées, un peu comme un bébé, très rouge. Ça jurait avec la couleur de ses collants. Elle était plus jeune que j'avais cru. Je lui donnais mon âge. Non, moins. J'ai remarqué qu'il m'arrive toujours plus souvent de vieillir les femmes par mauvaise foi. Je ne sais pas ce qui m'agace le plus, cette habitude, ou le fait de ne pas savoir depuis quand je l'ai prise. J'ai montré l'horloge, les mains en croix. La femme a hoché la tête, elle voulait seulement de la brioche des rois. J'ai pris l'air navré, il n'y en avait plus, il aurait fallu venir le matin, mais il restait des galettes à la frangipane. Elle a secoué la tête, elle avait peur que son fils n'aime pas le goût d'amande. Il avait déjà 10 ans. Quel rapport ai-je lâché? Je lui ai suggéré de prendre une brioche quelconque dans laquelle cacher une fève ou un haricot, ainsi que le faisaient nos grands-parents. Je lui donnerai une couronne. En m'approchant, j'ai vu que ses joues étaient moins rouges à cause du froid que de l'eczéma. Sa peau cachée ne devait pas payer de mine. Bientôt, elle aurait l'air fichue. Elle a fini par me dire qu'elle ne connaissait pas le magasin. Pouvais-je l'accompagner? De la vapeur s'échappait de sa bouche. J'ai jeté un coup d'œil aux portes. 22 heures passées. Une bourrasque a fait mugir le hangar. Plus vite, je la contenterai. Plus tôt, je serai chez moi. Nous retournions aux caisses,
deux paquets de 24 petits pains dans son panier. Elle s'est arrêtée. Elle avait oublié la confiture. De la confiture, a-t-elle répété comme je me retournais, en m'efforçant de rester calme. Avec les petits pains, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? J'ai dit que moi aussi, j'avais un fils. Il m'attendait dehors, après le foot, j'étais en retard. Contre toute attente, elle a semblé soulagée. Elle a voulu savoir ce que mon fils prenait, lui, pour le goûter. Elle serrait contre son ventre le panier plein de petits pains. Je les ai fixés. Des petits pains, ai-je dit. Ceux-là, nature, sans confiture, sans rien. Elle m'a dévisagée. Vraiment ? J'ai acquiescé d'une petite voix. J'avais honte. Le temps que je rallume la caisse enregistreuse, elle a ouvert le congélateur et s'est penchée sur les glaces. Elle a sorti les parfums les uns après les autres pour les comparer. Et la glace, est-ce qu'il aimait ça, mon fils ? Par exemple à la vanille ? J'ai répondu sèchement qu'il n'était pas question de mon enfant, mais du sien, que la vanille m'écœurait depuis toujours et qu'il ne fallait pas laisser ouvert le congélateur, qu'elle se dépêche enfin. Elle a déposé un litre de glace au chocolat par-dessus les petits pains en me demandant pardon. Elle ignorait les goûts de son fils. Elle ne l'avait pas vu depuis 8 ans. Elle le nourrissait au sein, alors. Elle était navrée que mon garçon attende dans le froid. Elle venait d'arriver dans la région, n'avait pas pensé qu'il lui faudrait plus d'une demi-heure pour venir jusqu'au magasin depuis son lieu de travail. Elle a entassé les articles qu'elle a remis sur son dos. Elle avait renoncé aux confitures. Bêtement, je me suis inquiétée de la glace. Elle fondrait en chemin. La femme a eu un rire. Elle était à pied, la nuit aussi froide que la glace. Elle a ajouté tout bas, comme pour elle-même, « Mais à cette heure, par ce temps, entraîner un enfant ?» Je lui ai rendu sa monnaie en faisant mine de ne pas avoir entendu. Après son départ, j'ai fait descendre le rideau de fer. Ce rideau de fer est d'une lenteur désespérante. Et il faut garder la main pressée sur le bouton. J'ai regardé la femme s'éloigner, capuchon sur la tête, mal assuré sur le trottoir enseveli. La nationale aussi se recouvrait de blanc. J'aurais voulu lui proposer de la raccompagner en voiture. Je n'avais pas réussi. Je n'avais pas la force de mentir encore, d'inventer une vie à cet enfant que je n'avais pas eu et n'aurais jamais. En allant chercher ma tarte à la frangipane, j'ai remarqué de la vapeur qui montait doucement du congélateur. Nous avions oublié de le refermer. Des cristaux se formaient déjà autour de l'ouverture, comme une faille. J'ai soufflé dessus, puis j'ai frotté avec la manche de ma veste polaire. La croûte de glace ne fondait pas, mais s'effritait. On aurait dit que les cristaux de glace, avec leurs jolies pointes en forme d'étoile, voulaient partir avec moi, agrippés à mon bras.